Nous avons utilisé le digital comme une révolution par rapport à leur visibilité, à l'exposition de leurs produits, parce que sur la chaîne de valeur, c'était très difficile pour que les femmes transformatrices puissent vendre leurs produits. Donc, après la production, elles ne parvenaient pas à avoir de clients. Donc, nous, on a été conscients de ce besoin et c'est là que nous avons intervenu en créant la plateforme digitale qui leur permettait au moins d'avoir le produit exposé en n'attendant plus les foires. Travaillons dans une dynamique de changement de paradigme, ça veut dire que les Sénégalais n'ont pas une certaine confiance à la consommation des produits aujourd'hui. Mais nous, en tant que Soretool, nous ne pouvons accepter sur notre plateforme que les produits ou bien les transformatrices qui ont des certifications, ça veut dire des certificats de mise en vente. Aujourd'hui, bon nombre de Sénégalais se rendent compte que consommer local est un facteur de bien-être et aussi un facteur de santé.